Alors voilà un film qui a coûté très cher, qui est un film très riche, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de couleurs, qui s'appelle Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, l'auteur des Parapluies de Cherbourg, dont il faut tout de même que nous parlions. Je crois qu'on va annoncer la couleur. Jean-Louis Borry aime beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, Michel Aubryant. Moi aussi, je trouve que c'est ça le vrai cinéma de recherche. Ah, non, parce que c'est la création, c'est la tentative de créer un genre en France. Tout à l'heure, Patrick Rambaud l'a pas vu ? C'est trop sucré, je trouve. Trop sucré, oui. Bon, vous, c'est le poivre que vous aimez. Bon, Benayoun ? Moi, j'aime bien le poivre, mais je trouve ce film merveilleux. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Oui, moi aussi. Ah bon, alors on est tous d'accord, il n'y a pas de combat alors. Pas de combat. Bon, vous l'avez vu ? Non, elle ne l'a pas vu, c'est vrai. Bon, alors, il n'y a que vous qui êtes contre. Je ne suis même pas contre, non. C'est... Alors, allez-y, parlez-moi. Il n'est pas le succès. Allez-y. D'abord, premièrement, le texte, je trouvais qu'il était complètement idiot. C'est gênant, quand même. Oui. Si, oui. C'est bête, quoi. C'est pas net. Et puis, il est trop bien fait, ce film. Oui. Par exemple, un tel mange une orange, je ne sais pas parce que sa cravate est orange, parce que le mur est jaune et que son voisin a une chemise violette. Et puis, vous avez des détails, par exemple, c'est poussé jusqu'à la maniaquerie. Par exemple, vous avez les sœurs d'Orléac qui ont un grain de beauté dans le dos, exactement au même endroit. C'est bon, charmant, ça. C'est peut-être charmant. Enfin, moi, j'aurais préféré, je sais pas, un peu plus de force et moins de grain de beauté, vous voyez. Bon, mais continuez, parce qu'on peut... Continuez, allez-y, continuez, démolissez un petit peu, parce qu'après, ils vont tout reconstruire. Alors, allez-y. Non, moi, j'aime pas tellement le rose, c'est tout. Oui. Et les parapluies, vous aviez aimé ? J'ai préféré les parapluies, oui. Il n'y a pas de beauté, là. Parce que c'était plus triste, oui. Non, c'est pas le mélo, je parle pas du mélo. Oui. Ah, si, dans Mademoiselle de Rochefort, j'ai beaucoup aimé la fin, par exemple. La rencontre du l'autostop. Du marin, oui, de l'autostop. Ah, ben ça, c'est vraiment la seule chose que j'ai pas aimé. Je sais pas, c'est ce qu'on attend depuis le début et qu'on ne voit pas. Mais c'est vraiment trop attendu, c'est vraiment... Oui, mais c'est pas inattendu, c'est inévitable. Oui, c'est très bien fait. Oui, bon. Ça aurait pu être fini. Monsieur Rambaud. Oui, vous êtes, oui, pense comme vous, Michel. Oui, ça aurait pu être c'est là où ça aurait pu être le mélo horrible. Oui. Bon, écoutez, moi j'adore ce film, alors maintenant j'aimerais qu'on en dise du bien. Michel Aubryant. Moi, ce qui me touche, c'est que ça n'est justement pas très bien fait, contrairement à ce que dit monsieur. T'as un truc loupé, c'est, alors. C'est que le Piccoli danse pas très bien. Oh, il danse pas c'est que les deux filles... Mais c'est pas un danseur. Les deux filles, il y a des moments où elles sont pas très bien photographiées. Il y a tout d'un coup... un côté humain, il y a une espèce de côté attendrissant qui intervient dans la comédie musicale qui avait été toujours une perfection, notamment la comédie musicale américaine, et qu'on a même la visite du dieu de la comédie musicale américaine qui est un peu vieux. Justement, ce qui est touchant, c'est que oui, c'est un vieux monsieur maintenant. Et moi, ce qui me touche, c'est les imperfections de ce film, et que c'est le sujet, il n'est pas... Évidemment, et ces six personnages, il suffirait qu'ils traversent la rue, que Daniel Darieux traverse la rue pour tomber sur Piccoli. Mais il n'y aurait pas de comédie musicale. Il n'y aurait pas de comédie musicale. C'est le côté justement imparfait, cette espèce de côté toujours vulnérable, fragile. Ce que j'aime moins, en revanche, c'est peut-être la musique de Michel Legrand. Oui, ça. Mais sinon, je suis très touché par le côté imparfait, par le côté sans cesse remis en question. C'est une attaque féroce. Heureusement qu'il aime le film, parce que sinon... Non, mais il a raison. C'est beaucoup plus humain. C'est oui. Plus... Bien, Jean-Louis Borry va... Alors, ouais, je souscris entièrement à ce que vient de dire Michel Aubryant, parce que ce qui m'a frappé, c'est le côté béquille de Jane Kelly. Béquille morale. Oui, et alors on sent que... Et c'est là où ça m'a gêné. C'est un film au fait que j'étais heureux pendant 2 heures, ce qui est extrêmement agréable. Ah oui. Et ce qui m'a gêné simplement, c'est que, étant donné le genre, la comédie musicale, ce que j'aurais reproché à Demy, c'est une certaine sagesse. C'est que justement, il y a une espèce de respect qui était représenté par une espèce de déférence à l'égard de Jane Kelly, et que là, elle aurait pu vraiment tout envoyer en l'air, parce que quand on repart Rochefort, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Et alors, là, il était tenu et il respecte certaines règles d'un genre qui, à mon avis, n'en connaît pas, si ce n'est que la fantaisie la plus débridée, la plus démente et la plus dingue. Alors là, il y a, j'ai reproché qu'il était un peu en deçà de ce qu'il pourrait faire. Mais compte tenu de ça, c'est constamment joli à voir, c'est extrêmement agréable à entendre avec un peu de monotonie, et tous les gens sont ravissants. Enfin, la marine nationale, allez voir, c'est absolument incroyable. Tous oxygénés, tous avec des drapeaux teints d'azur, etc. Je m'excuse, mais lorsqu'on dit c'est un film sur le bonheur, je trouve pas que ce soit un film sur le bonheur. C'est un film sur la mélancolie, parce que ces trois couples, quand le film va être terminé, ils vont être certainement malheureux comme des pierres. Oui. Ils sont absolument pas accordés les uns aux autres. Oui. Et c'est ça ce qui est touchant. Oui. C'est un bonheur. Mais... qu'ils cherchent pour arriver à la catastrophe. Oui, mais c'est en ça que Demy est fidèle tout de même à son cinéma, au cinéma de Lola. Lola. C'est que c'est une comédie musicale qui répond aux lois du genre, etc. Mais c'est aussi le film qui est le plus près du monde, qui a décrit et inventé...
demi. Car c'est un film sur les rendez-vous manqués, exactement l'histoire de Lola. C'est pas simplement un ressort de vaudeville, un ressort de Feydeau, que tous ces personnages se croisent sans se rencontrer, pour se rencontrer finalement comme par hasard au dernier moment, et d'ailleurs se re-rater ensuite vraisemblablement. Mais c'est que c'est justement un univers que décrit Demi, qui est le sien, et cet univers-là, toujours centré dans un port, toujours basé sur le déracinement, sur la fuite de ces personnages, car chacun, si les gens se ratent, c'est parce qu'ils se fuient eux-mêmes perpétuellement, c'est qu'ils sont toujours en train de rêver à quelque chose qu'ils n'ont pas. Oui. Ça, c'est un peu plus que de la comédie musicale, finalement. Oui. Alors, que les lois du genre soient respectées, que le film soit merveilleusement filmé, car moi, je trouve qu'il est très bien fait, que, justement, il est digne de certains grands films américains, de certaines grandes comédies musicales américaines, ça, c'est une chose qui saute aux yeux, mais je crois que, l'auteur reste fidèle à son monde à travers ce genre qui n'est pas à proprement parler le sien, mais qu'il s'est approprié complètement, qu'il a véritablement reconquis à la force du poignet, je trouve que ça, c'est admirable et ça, c'est respectable. Alors, bon, là, j'approuve vraiment Ben Ayoun de souligner ce que tout le monde néglige et jette par-dessus bord, c'est justement l'humanité des scénarios de Demi. On dit que ce sont des livrets d'opéra. Pas du tout. Les personnages sont plus passionnants que dans beaucoup de films dramatiques. Je crois que ça, c'est un mérite. Oui, le rôle de Daniel Darieux, par exemple, est bien construit. Je trouve très bien. Il est admirable. C'est un personnage admirable. C'est un personnage comme admirable. Comme personnage, il est admirable. Et il est interprété par une Daniel Darieux qui est extraordinaire. Fille. Vous ne trouvez pas qu'elle est absolument aberrante, en fait, c'est la vérité. Non, elle est simple. Oh, écoutez, c'est des folies bergères. Elle n'est pas géniale, mais elle est moins bonne que celle de Jérôme Robbins, mais enfin, elle est très inégale. C'est-à-dire qu'on se dit au début, quand il y a les deux petites danseuses anglaises, on se dit, ça va être catastrophique pour les sœurs d'Orléac. Heureusement, les escamotes, elles reviennent à la fin. Pas folle, les sœurs d'Orléac. Oui. Elles dansent pas beaucoup. Oui. Chacun danse selon son tempérament, et c'est une chose rare dans les comédies musicales. Non, on a une manière de danser pour chacun. On aurait voulu une espèce de Béjart là-dedans pour faire quelque chose. Ah, bah, le mariage de Béjart et Demi, ça me paraît tout à fait... Non, enfin, je vous dis, c'est pour vous donner une idée. Enfin, oui. Béjart de musical. Oui. Vous me faites passer des frissons dans le dos, alors là. Ben, c'est parfait, au fond. Tout le monde aime ça, les jeunes, les vieux. Tout seul là, pour le soutenir un petit peu. Varencelli a dit que c'était une pilule de bonheur et je trouve qu'il y a quand même un peu ce côté-là. Et quand il y a eu cette débauche de rose bonbon, je ne vois pas pourquoi Demi aime tellement le rose bonbon. C'est la couleur des dragées. Quand on voit tout d'un coup arriver les bonnes sœurs, pourtant je ne vais jamais en pèlerinage à Lourdes, brusquement je dis ah, enfin du noir, enfin quelque chose de sobre et de digne. Et j'ai dit vive les bonnes sœurs et on les a ridiculisées, j'ai trouvé ça très triste. Parce qu'au fond, tout d'un coup, là, quand il y a tellement de bonheur, j'aime un peu l'austérité. Ouais, ce qui est très frappant, c'est un film difficilement attaquable. C'est un film que ceux qui aiment ne rendent pas plus aimable en parlant. Non. C'est-à-dire que c'est un film au fond qu'il faut voir et dont il ne faut pas parler, finalement. On aimera ou on n'aimera pas. Si le texte avait été en sanskrit, moi, j'aurais aimé. En sanskrit, vous l'auriez aimé, oui. Mais oui, vous êtes un intellectuel complètement tordu, alors. Mais non, vous allez semer, là. Mais les hindous font des comédies musicales, elles sont atroces. Oui, il faut que vous alliez voir ça alors. Oui.